Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle collection des bracelets d'Apple Watch. Bon alors Alex, tu les trouves comment ces petits bracelets pour Apple Watch? Stylés, non? Franchement, j'aimerais pousser un petit coup de gueule. Vas-y. Apple, vous n'avez pas le moyen de sortir de vrais nouveaux bracelets au lieu d'apporter un petit changement de couleur? Alors Apple renouvelle donc ses bracelets en nylon. Moi j'aime bien cette matière parce qu'en fait elle est assez respirante. L'été c'est quand même agréable. Elle gratte pas trop la peau non plus. En fait elles ont qu'un seul défaut, c'est quand on les mouille, elles mettent beaucoup de temps à sécher. Mais sinon les nouvelles couleurs elles sont cool, non? Franchement elles sont super sympas. Maintenant il y a 3 bandes de couleurs par rapport à ceux de l'année dernière qui étaient quand même beaucoup plus ternes. Alors après on retrouve donc le bracelet sport, hein, ça c'est vraiment un classique. Celui-là moi je l'aime bien parce qu'il est quand même très polyvalent, on peut le mouiller, on peut aller faire du sport avec, il est quand même assez résistant. Alors seul défaut, il tient quand même un petit peu chaud l'été. Et puis donc là il y a des nouvelles couleurs, hein. Comment tu les trouves toi? Franchement elles sont sympas mais j'ai tendance à préférer celles de l'année dernière qui sont plus saturées puisque celles-ci sont vraiment très pâles. Alors cette année, il y a quand même une nouveauté, c'est qu'on peut acheter donc le bracelet Nike séparément, on n'est plus du tout obligé d'acheter la montre avec. Et puis c'est un bracelet qui est assez cool parce qu'il est perforé, donc il laisse mieux respirer la peau, surtout si on fait du sport l'été, c'est assez cool. Et puis le look, moi je l'aime bien, t'en penses quoi toi? Franchement, il est un peu masculin, mais les filles, si vous voulez porter, il est livré avec 2 longueurs de bracelet, comme tous les bracelets sport. Alors on termine avec les modèles en cuir, donc ils gagnent aussi des nouvelles couleurs. Alors le cuir, c'est un inconvénient, c'est qu'il faut pas le mouiller, hein, donc on fait pas de sport avec. Et puis ceux-là sont aussi plutôt destinés aux filles. Hein. Oui, c'est sûr. Franchement, j'aime beaucoup le bleu. Ça pète. Par contre, le cuir, on remarque quand même que c'est beaucoup moins travaillé que sur la collection Hermès. C'est quand même moins cher. Alors les moins chers, c'est ces deux-là, hein, ceux qui sont en nylon et en caoutchouc, qui coûtent tous 59€. Et ceux en cuir sont forcément plus chers, donc 159€, c'est pas donné, mais ça reste quand même abordable. Voilà, c'est déjà fini. Si vous avez aimé, bah, mettez du like, hein, c'est vraiment important. Abonnez-vous aussi à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne d'Alex également. Et puis nous, bah, en fait, on se retrouve bientôt, non? Oui, il y a un nouvel iPhone 7 rouge qui sort, 2 nouveaux iPads, donc on se retrouve bientôt. Bisous. Ciao, ciao.